Vous regardez M6 Info. Jusqu'au bout, cette élection sera surprenante. Jair Bolsonaro, dans les profondeurs des sondages il y a quelques mois, passe tout près d'une victoire au premier tour. Et malgré tout, hier soir, ses partisans étaient en colère. Leur candidat estime en effet qu'il aurait dû dépasser 50% des voix. Pour lui, il y a eu manipulation des votes électroniques et donc conspiration. Il l'a dit sur les réseaux sociaux, son moyen de communication préféré. Soyez-en sûrs, s'il n'y avait pas eu ces problèmes et si nous avions confiance dans le vote électronique, nous aurions déjà le nom du président. Un positionnement de victime pour valider sa stratégie anti-élite. Bolsonaro a beau assumer le retour à un pouvoir autoritaire, enchaîner les discours misogynes et homophobes, les messages de l'ancien militaire font donc mouche chez beaucoup de Brésiliens, notamment pour des stars comme Ronaldinho, l'ancien footballeur international qui a joué au Paris Saint-Germain, le soutient avec force. Pour un Brésil meilleur, je désire la paix, la sécurité et quelqu'un qui nous redonne de la joie. Au second tour, le 28 octobre, Bolsonaro sera opposé au candidat du Parti des Travailleurs, la formation des anciens chefs d'État Lula et Dilma Rousseff. Fernando Haddad, avec 29% des voix, semble déjà heureux d'être au second tour. C'est un succès. Nous allons préparer une équipe gouvernementale et commencer dès demain notre campagne pour gagner au second tour. Fernando Haddad va tenter de constituer un front républicain pour faire barrage à l'extrême droite. Selon les derniers sondages, le scrutin s'annonce serré. Parmi les interrogations, y aura-t-il un débat télévisé ? Bolsonaro préférerait éviter. De son propre aveu, il est un peu léger sur les questions économiques.